Gentes dames et messieurs, je suis fier de vous permettre l'exceptionnelle occasion de rencontrer le grand Jean-Jacques Rousseau. Je vous demande la plus grande discrétion. Son livre, Émile ou de l'éducation, a été lacéré et brûlé dans la cour du palais de justice. Au secours! Ils viennent m'arrêter! Jean-Jacques! Il est bizarre tout de même! Et vous avez vu son accoutrement? Oh, il ramasse des herbes! C'est peut-être un empoisonneur! Oh, aidez-moi à retrouver cette fleur! Vous la reconnaîtrez! C'est une gentiana filiformis de Linné! Cherchez la fleur! C'est une vulgaire pâquerette! Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Avec ma chère amie Abbesse de Gomerfontaine, nous avons conçu un motet. 3, 4! Jardinier le bon, redonnez des graines à cet enfant pour qu'il les plante et laissez-le libre de cultiver son jardin. Mais à Paris, ils iront jusqu'à interdire mes confessions. Et je quitterai ce monde au château d'Ermenonville le 2 juillet 1778. Et je serai enterré là-bas. Mais vous ne leur dites pas ce qu'ils vous ont fait après. À nous! L'heure de changer les sondes. Renou, ça suffit maintenant. Soyez brave, c'est pour votre bien. Mais docteur, comprenez-le, il a beaucoup souffert. Allez, allez. Oh mon Dieu. Je vous souhaite une merveilleuse journée du patrimoine.